Moi, je pense que comme Martin Debar, c'est déjà la plus grande référence en matière d'écoute dans le Sahara, je crois que nous continuons de faire travail. Semaine Sahara, et comme je dis, si nous connaissons effectivement, nous décidons, ok, pour gagner un changement dans le pays, si nous connaissons vraiment que nous décidons, pour qu'on changement dans le pays, hein? Ok, c'est tendez émission Matin Débat. Puis, que je dis, nous face à nos responsabilités. Et je dis, chaque grand haïtien face à responsabilité. Les autorités de ce pays sont face à leurs responsabilités. Le président de la République est face à sa responsabilité. Les ministres, les conseillers du président de la République, les sénateurs, les députés, la société civile, les étudiants, les jeunes de ce pays, nous sommes tous face à nos responsabilités. Je dis, pas une question de moun en haut, moun en bas, pas une question de nèg riche, nèg pauvre. Si vous dites c'est haïtien koyé, faut d'accord. Je dis, ou face à responsabilité. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement dans la presse internationale, et ce qui a passé qu'on y a dans le pays, sous question Donald Trump, m'a dit nous que Donald Trump vient juste à peine de faire un cadeau à Haïti. Et nous devons applaudir Donald Trump, le président américain. Donald Trump fait un cadeau à Haïti. Maintenant, comment saisir cette opportunité? Ah oui, c'est ça le débat maintenant. Ok? Je dis, il faut que nous disions que c'est un président de la plus grande puissance mondiale qui citait Haïti, la première nation nègre. Et dans toute l'histoire de l'humanité, pas qu'on monde sous la terre qui peut reconnaître Haïti comme la première nation indépendante. Et c'est Haïti, je dis, qui fait tout le monde qui est nègre, tout black, tout nègre, qui a une liberté la parole dans le monde entier. Et c'est garder un abgadé pour nous, qui ça le monde a fait, qui ça le monde a dit dans la question de Donald Trump sous dossier Haïti. Maintenant, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui sommes citoyens haïtiens, nous devons quand même également donner le temps. Il faut que nous d'accord que nous avons responsabilité. Parce que si nous-mêmes haïtiens qui sommes les premiers concernés, et puis on s'en fout pas mal, si nous-mêmes haïtiens qui sommes, on dit, monde qui est ciblé par cette déclaration de Donald Trump, nous pas bailler le temps, nous camper, baba nous mentir, n'a pilé d'encore sous la terre. Mais nous, ouais, nous l'aide déjà, n'a pilé d'encore sous la terre. Et je crois que le président Jovenel Moïse, il doit aujourd'hui profiter de cette opportunité pour toute ça dit la faire là, toute ça qui comme vision pour monter vraiment que lui dans niveau de chef d'État que lui est et tout pour n'obtenir pratiquement un cafouza. Madame, monsieur, en matière de communication, lorsqu'on gros superstar qui parle dont l'autre artiste, non façon bien non l'autre, les bon pour l'autre artiste que le parler de lui. Je dis c'est le président américain qui parlait d'Haïti parce que moi-même, le connaissais. J'ai été en Afrique. Les escales que nous fait Maroc, les nous prenons avion, sortir à Paris, nous allons au Maroc. Et puis de Maroc, pour aller en Afrique. Là, moi, il fait un aéroport Maroc, là. Nous passons presque 3 heures de temps, dans l'aéroport Maroc, là. Nous parlons tout, presque, tout jeune garçon qui n'a pas barrio, n'a boutique, yo, avec jeune femme. Nous parlons blague avec yo. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas qu'il y a un qui est en Haïti, non? C'est là, m'a dit, ça, Haïti nous sortit parce que, on est, par contre, ça qui est passé, c'est que, gon j'aime d'habiller, comme si il attire attention, et puis, gon j'aime approcher, comme si, yo, moun, ça, yo, c'est pas moun ordinaire, comme si, haïtien qui devant, dans la moun, ça, être humain qui devant, yo, il voit que c'est pas moun ordinaire. Et puis, c'est pour ça que poser une question. Yo, mes bracelets, quand même, yo, mes chemises, et puis, m'a dit, ça, Haïti nous sortit. Yo, dit, qui ça, Haïti, y'a, côté Haïti, mes amis, moi, j'ai pris un téléphone, moi Google montre Haïti. Même là encore, il n'y pas suffit. Parce que à chaque fois que je dis Haïti, je pense que c'est Tahiti. Moi, j'ai parlé de Wyclef. Je dis oui, Wyclef. Mais c'est à partir de Superstar, ça. À partir de Wyclef, je dis c'est Haïtien, c'est ça qu'Haïti. Ah oui. Donc, elle dit que, je dis, hein, l'on président américain parle de Haïti, ou qui impact qu'elle fait sur la chaîne, sur la chaîne internationale, sur la télévision américaine. Ou est-ce qu'il n'y a pas que ça fait, donc à travers le monde. Eh bien, je dis, on doit dire merci à Donald Trump. Parce que Donald Trump, il fait un cadeau. Je dis, Donald Trump a permis que nous, que nous développions, que nous
cultiver une fois de plus, que nous réveiller la caïnou, ce qu'on appelle la conscience nationale. Madame, monsieur, à cet espace, matin débat, dernièrement, m'a parlé, quand m'a dit que Haïti, il y a un complot sur Haïti. Et puis, bizarrement, à la fin de la semaine, pendant le week-end, m'a recevoir des séquences de vidéos du feu président François Duvalier, qui dit exactement ça, m'a dit dans l'émission matin débat. Il y a un complot sur Haïti depuis 1804, depuis l'indépendance, depuis 1803. Donc, il n'est pas prendre facile pour Haïti. Maintenant, aujourd'hui, et François Duvalier était dit dans capsule que je me recevoir, tout ce qui est nécessaire maintenant pour Haïti, c'est une conscience citoyenne. Et c'est lui pour nous insister sur lui aujourd'hui là. Merci à Donald Trump parce que il permet que nous, chaque jour, comprenons que c'est pas une question de nègre ou nègre en bas. C'est pas une question de nègre qui gagne l'argent et qui gagne l'argent parce que Donald Trump dit, nous tous, nous c'est tout caca. Même nègre qui pauvre là, lui, c'est tout caca pour Donald Trump. Même monde qui gagne l'argent, c'est tout caca pour Donald Trump. Même nègre qui n'a ghetto, c'est tout caca pour Donald Trump. Même nègre qui là, dans une belle machine luxueuse, lui, c'est tout caca pour Donald Trump. Donc, c'est pas une question de président tout. Parce que Donald Trump dit président Jovenel Moïse, c'est tout caca. Donald Trump dit tout ancien leader politique dans le pays, c'est tout caca. Je dis, il faut que nous gagnions, ça nous relève, la conscience citoyenne. Et je crois que c'est une opportunité. Comment saisir cette opportunité maintenant? Et je crois que il y a des balises pour nous mettre. Et je dis, tout le monde a regardé Haïti. Le monde entier a regardé Haïti. Et bizarrement, Haïti n'a rien dit jusqu'à présent. Tout le monde a regardé Haïti. CARICOM a regardé Haïti, la Caraïbe a regardé Haïti, les pays d'Afrique a regardé Haïti, même les États-Unis, les Américains y a regardé Haïti. Jusqu'à présent, Haïti pas dans rien. L'Angleterre a regardé Haïti, le Canada a regardé Haïti, l'Espagne a regardé Haïti. Jusqu'à présent, Haïti pas dit rien. Bien matin à tous, bonjour, bienvenue dans ce débat. Coucou, bonjour. Bon. Nous saluons tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et nous comptons à ce que vous passez un bon week-end et puis vous réveillez avec matin débat. Et semaine ça nous lancer la façon de lancer à la ouais à bon débat houleux mais qui capchita sous bien-être pays d'Haïti et me saluer nous et puis pour me rentrer et côté louko campé à la passer la parole pouvoir pas simplement bien-être là c'est pas bien-être là. Pouvoir, c'est bien-être là et difficulté là. Donc, mon capteur le pouvoir plus bien, c'est mon qui attend et qui identifie toute difficulté. Gagné aujourd'hui, on marche, hein? On marche. Et ma aujourd'hui, t'as dit et surpassé, hein? Et mouvement, on est qu'à couper, j'ai agent juste et qu'on fait. Tentative même, on l'a qu'à le bloquer à Nanifav. Il t'a doué, au mouvement qui t'a doué surpasser, d'adou, les Haïtiens étaient sortis tout partout. Moi-même, c'était une amoun qui était responsable de l'autobus. Et lorsque le président Aristide était pour un coup d'état, il était l'autre bois, et puis tout le monde était débarqué à Washington. Donc, mouvement, je dis, t'a doué, et soit d'abri d'où sensibiliser plus moun. Puisque ça n'a pas un intérêt politique. Intérêt politique, là, c'est intérêt pour défendre le pays d'Haïti, l'honneur du pays d'Haïti. Ouais, donc, ça le dit. Mais quand même, nous sommes nation, et nation a un chef. Et c'est le chef qui donne le ton. Donc, bon, est-ce que qu'on y a là. Il y a plus de monde qui a une responsabilité, capitaine, et déplacement haïtien aujourd'hui pour ouais aux États-Unis, comment? Donc, si haïtien, loco, envahit Manhattan, est-ce que il va le mettre président en opposition? Il est obligé, est-ce que c'est obligé de mettre président en opposition? Il est obligé de parler? Mm-hmm. Ou bien c'est président qui doit bailler le ton? Mais c'est clair, mais c'est Haïti qui doit donner le ton. Mais maintenant, si Haïti pas dit rien, Pierre Martin, si Haïti pas dit rien, si nous étions bébés, elle dit que nous d'accord. Effectivement, il y a des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui croient que Donald Trump n'a pas menti.
Mais quelle que soit situation pays d'Haïti, ça babaye droit à un président américain pour la traiter Haïti de tout caca. Mais c'est ça, c'est question, c'est pas question. Dans l'état pays d'Haïti, bon, on t'a rappelé mon cap parler, c'est nous-mêmes qui baille qui ça. Nous pas baille personne droit pour ta fond déclaration comme ça. Quel que soit état que nous la donne. OK, ça nous concerne. Comme nous pas oublier quand même nous c'est haïtiens et c'est pas un cadeau à faire nous aux États-Unis. C'est pas nous-mêmes haïtiens, c'est vrai que dans la bataille haïtienne, nous t'es à montrer l'Amérique là, c'est nous-mêmes haïtiens noirs, nous imposer nous et nous sommes porte-voix en termes de guerre de liberté pour tout pays. Mais lorsque les États-Unis disent l'Amérique appartient aux Américains. Oui, mais je dis que pour président, ça veut dire président ça pas dans l'histoire pays et États-Unis, son président qui dit un bagage et le coup pour moi même. Président États-Unis a dit ça dans cœur. Il dit exactement ça qui était pensé des haïtiens. Mais c'est clair. Ouais, ça, ouais, mais écoutez, monsieur dit exactement ça le pensé des haïtiens. Écoutez. Et puis il finit. Matin, ça le dit, c'est bon mari, c'est quand peut-être c'est Donald Trump qui gagne courage pour le dire, mais son dossier, le dossier d'Haïti dans toute couloir diplomatique yo. Non, c'est clair. Il dit pire, oui que ça Donald Trump dit. Oui. OK. Maintenant, c'est le président yo dit qui prend courage lui pour dire nous que nous c'est tout caca, mais dans toute couloir diplomatique yo dans question Haïti et ceci depuis très longtemps. OK? Il a critiqué Haïti et il dit pire sous Haïti que ça Donald Trump dit. Mais maintenant, c'est la raison pour laquelle que je dis ce matin que Donald Trump a rendu service à Haïti. Donald Trump font cadeau, fais-nous un cadeau là. C'est pas l'émission matin débat. Il faut que nous ayons capacité pour nous assumer, nous financer, nous chita nous réfléchir, nous rebondir. Correct. Maintenant, à l'émission matin débat de vendredi dernier, moi, t'es clair, t'es pas en responsabilité pour me dire que y a l'autre tremblement de terre qui passe sous pays. Et de fait, son tremblement de terre qui est lié. Même si on a tout le monde démobilisé le 12 janvier 2010, mon apporté solidarité, nous t'es pris conscience, nous t'es senti que gagné, y ont sorte de manifestation, là, qu'à chaque grand haïtien, dans la journée, tout de suite après le 13 janvier 2010, tout de suite après le tremblement de terre, où senti qu'on conscience, où senti que j'ai, le peuple, en fait, Haïti, et nation touchée, n'emmenée jusqu'aux profondeurs, juste en dedans. C'est ce qu'on appelle conscience patriotique. Ou senti qu'on conscience, qu'on manifestation. Eh bien, je dis, faut qu'on prenne le même genre. Mm-hmm. OK, faut qu'on prenne le même genre. Oui, mais faut comment saisir cette opportunité? Ouais, tirer le son. Correct. Et écoutez, tout ça, toute leçon, tremblement de terre à Banou, après 2 mois, 3 mois, 5, jusqu'à présent. Il passait nul. Mais jusqu'à présent, nous pas tiré rien. Du tout. Est-ce que n'a continué pas tirer rien? Et je dis encore, tremblement de terre à Tébano, en cadeau, il faut nettoyage. Mm-hmm. Involontairement, immoral, sans, nous pas de vle, nous pas de souhaiter, c'est qu'on s'en a fait. Pour te démarrer pays, pour nous dans la province, pour nous. Nous pas faire. Et mais Donald Trump l'a dit. Mais pas nos cadeaux encore. Non, pas nos cadeaux. Son cadeau nous a traduit. Justement. Dans l'intérêt pays d'Haïti. Son cadeau que nous gagnons maintenant, madame, monsieur. OK? Donald Trump a fait un cadeau donc à Haïti. Faut nous clair sur lui. Maintenant, comment nous-mêmes nous pouvons saisir l'opportunité ça pour, une fois pour toutes, pour nous citer ensemble, pour nous entendre nous ce pays. Pour Jean de Bain, ça va arriver à Haïti encore. Nous devons saisir l'opportunité pour, une fois pour toutes, nous décider qui va nous parler ensemble. Son cadeau. Nous devons saisir l'opportunité pour une fois pour toutes pour nous dire que faut que nous enterrer H de guerre là. Faut que nous enterrer H de guerre là. Madame, monsieur, maintenant nous avons une émission matin débat et c'est une émission tout à fait spéciale. Parce que nous sommes face à une situation. Côté que le pays a humilié. Côté que je dis, la famille haïtienne, la nation haïtienne a souffri. Puis matin, il y a des gens qui ont crié. Samedi soir, je pas foutu, je fais un téléphone, je tellement gagné mon capré, je suis crié. Vendredi soir, je suis tellement indigné vers matin. Il n'y a pas contre ça que tu as fait encore. Maintenant, nous sommes face à une situation. Qui ça nous a fait? Donc, nous avons voir notamment. Oui, nous avons gagné voir tout à l'heure. Oui, nous avons gagné voir tout à l'heure. L'État va entrer à 11h. Oui, nous avons gagné voir tout à l'heure. OK? OK, il faut que nous profitions aujourd'hui à la opportunité ça. Maman dit nous, qui est clair. Il faut que nous profitions, j'aime te dire tout à l'heure, enterrer H de guerre là. Moi, je vais nous donner deux exemples. Tiens, nous avons des dates clés dans le pays, dans l'histoire du pays.
et le 1er janvier de chaque année. Et 7 février, il y a 18 novembre, un remaniement constitution qu'a fait là, projet pour soit changer constitution ou remanier là. Monsieur Fakmo, on t'a nous sous date 7 février. Aucun cas, nous pas capables, si rien, si une guerre fratricide. Nous pas capables tout le temps de nous rappeler dans mémoire nous, taille entre frère à frère. Te font pile sans couler dans le pays, hein, et c'est date ça nous choisit pour président monter. Pas capable. Contre, 1er janvier, qui c'est date de notre indépendance, ils sont date qui méprisée. Pas que la nature toujours contre nous notre date 7 février. En plusieurs fois, nous ratons date 7 février, en plusieurs fois. Et Jovenel Moïse, qui c'est président de la République, c'est de justesse, oui, monter 7 février 2017. De justesse. À la dernière minute, Jovenel Moïse était serment 7 février 2017. On a toujours raté. Nous toujours raté 7 février. Aucun cas nous pas capable de vous dire, a toujours rappelé bataille, t'es gagné entre nous-mêmes frères de cette même nation. Et vous n'avez considéré date 7 février comme date symbolique. Et puis c'est là ça pour un président pour prêter serment. Président toujours prêter serment sur nos haines. Ah oui? Non, mais il y a une victoire là. Ok. Non, mais victoire. Démocratie, c'est contre dictature. Mais nous, quand c'est l'événement, on dit, mais nous pas qu'à prendre date ça bien matin pour ce date président monter dans le pays. Tout nouveau pouvoir là, symboliquement, il était sur la haine. Et la bataille de 1986, il quittait haine dans le pays. Parce que l'indépendance, quand même, c'est la haine contre les colons, les envahisseurs. Oui, mais c'est la libération. Donc, c'est la libération. Maintenant, 7 février, hein. Pas capable de dire en aucun cas. N'a pas appelé bataille de frère à frère qui t'aiguait fait dans le pays. Ou qu'on démocratie bien matin dans tout. Qui bâtit sur cette même haine et sur le vide. Regardez même constitution 1987 là. Regardez qui ça le dit. On groupe de monde la donne, on groupe de monde pas la donne. Donc, lui construit sous émotion, lui construit sous haine et puis sur le vide parce que il n'y a jamais eu un projet directeur pour cette nation après 1986. On doit saisir cette opportunité. Déclaration de Donald Trump pour nous corriger tout ça. Oui, mais janvier, c'est ta date idéale pour un président à monter dans le pays, qui c'est le jour de notre indépendance. Tout ça, t'as doué pour nous, de commémoration, un jour de fête, tout comme le 18 novembre, madame, monsieur. 18 novembre haïtien, t'as doué, 24 décembre, nous, que c'est un jour, côté que nous gagnons victoire. Faut nous continuer tout le temps à fêter bataille ça, que nous gagnons sur les Français. C'est un problème culturel. Écoutez, les détails culturels dans un pays, ça compte beaucoup sur l'avenir de cette nation. Ah oui, ou pas capable de politique pour pas parler de, ah oui, de culture. Ça est important. Oui. Nous pas capable de dire, pour nous qu'aimer date 7 février. Non, mais moral, tant que son démocratie pas un problème. Mais nous pas capable de dire, c'est les mêmes symboliquement qui voulaient ton paquet de bagages pour le pays. Et ça, 7 février, son bataille qui dégagne en un groupe de monde, avec un autre groupe de monde, qui est question de dictature, nous pas d'accord, pas un problème. On a sauté là, oui, madame, monsieur. On a sauté là, t'es gagné la guerre entre tribu à tribu. Parce que maman mouris, et puis Yoshita ou fait mea culpa. Mais pas gagné comme date côté que Wendeo, y aurait été sous lit. Non, nous pas capables de dire à capitaliser sur une guerre fratricide qui était gagnée entre petit pays avec l'autre petit pays. Hein. Et puis c'est lui-même qui peut continuer à faire histoire là, nous. Nous pas capables. Décider sur 7 février. Hein, et vous regardez, la question 7 février, la nature compte nous. Même comme 7 février que nous réussissons, dit Bambil. Jouons un problème le 7 février. Non, les deux prévalent pas un problème. Nous bâmes combien? Nous bâmes combien? Le président Matéli a été gagné. Ah, problème. Toujours un problème le 7 février. Del côté. Sérieux? Toujours un problème le 7 février. Et mes Jovenel Moïse là, c'est de justesse, il passe le 7 février. Oui. Faut que nous sommes capables de considérer les dates de cette nation. Faut que nous clés sous lui. Maintenant, si nous disons, nous avons saisi de l'opportunité ça, faut que nous d'accord. La Valencienne, c'est haïtien. La législation, c'est haïtien. Tête carrière, c'est haïtien. Les anciens politiciens, c'est haïtien. Les nouveaux leaders, c'est haïtien. Ensemble, nous chita pour nous dire, mais qui bon voulait mener le pays ça. Mais culturellement aussi, pour que nous tenions compte, culture pays. Hein. Ce que nous avons là, qu'on a perdu. Pour nous clair sur ça, madame, monsieur. C'est même Jean, je dis. Même Jean, je dis, m'a dit, dans le pays ça, dans l'émission matin débat. Pour que nous d'accord matin, hein, l'équipe de l'opposition, faut qu'il campe sous toute manifestation qui va le dire à bas Jovenel. Nous d'accord matin, hein. Nous d'accord matin, hein. Qui proposition, faut qu'il campe toute manifestation de Abba jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, si une manifestation qu'a fait dans le pays, qu'il y a un grain de mot d'ordre, ou bien aller devant le Parlement, hein, ou bien aller devant l'ambassade américaine. Nous clair sur ça.
son opposition a programmé manifestation le 22, le 29, pour le dire à Abba Jovenel, c'est pas le momentum. Le momentum, nous, qu'on y a là, c'est qui j'ai nous-mêmes ici, n'a pas organisé pour nous, en réponse à Donald Trump. Sous insulte, ça passe. Qu'est-ce qu'on dit là? Mais, bien matin. Ou est-ce qu'on dit là? C'est vraiment important. Mais c'est très important. Non, mais c'est la société, c'est la société civile qui vous regarde. Écoutez. Non, qu'on fait deux maintenant. La société civile. Nous, pas capables de dire, n'a aucune manifestation jusqu'à nouvel ordre. Abba Jovenel, ou bien Abba Intel. Nous pas capable de connaître là. Momentum, ça, c'est pas là. C'est pas pour momentum, ça, nous qui connaissons. Et plus ce momentum. Momentum de Trump, il traitait tout à essayer de tout caca. Que tout leader politique, société civile, faut que nous entendons sur une manifestation devant l'ambassade américaine, pour nous dire Donald Trump, gain pays toujours. On a dit Donald Trump, Haïti, c'est première indépendance noire. Manifestation, ça que vous faites, je dis, hein. Jusqu'à nouvel ordre, nous pas prendre manifestation de Abba Jovenel encore dans le pays, jusqu'à ce que nous entendons sur la question de Donald Trump. Là, sous ça. Deuxièmement, je dis en nation cadeau, oui, et dans Joseph Michel Martelly qui a fait pays. Quel qui est arrivé là, son défi que nous allons mettre dans l'émission Matin Débat. Nouvelle président Michel Martelly, défi ça dans l'émission Matin Débat. On va dire son ancien chef d'État, il n'y a pas qu'on chef d'État altéré, son ancien chef d'État altéré. Je dis un pays est content, puis on a un président Martelly, il dit écoute, Donald Trump, maman, tout le monde a battu bravo. Il a dit amen avec nous. Amen Donald Trump banois, amen avec nous, 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 amen jusqu'à nouvel ordre. Quelle que soit manifestation que vous faites dans le pays, faut c'est direction ambassade américaine ou le Parlement pour nous donner réponse à Donald Trump. Je crois que matin un débat, nous toujours là nous prenons responsabilité et nous toujours continué à prendre responsabilité.